Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis ému de l'accueil populaire qui m'est réservé, Monsieur le Gouverneur. C'est un grand honneur pour moi d'être en ces hauts lieux et d'y recevoir les clés de la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui s'est affirmée comme la perle des lagunes et la perle des lumières. Une ville avec laquelle le Liban et son peuple se félicitent d'entretenir des relations d'une exceptionnelle qualité. Il me plaît de venir vers vous aujourd'hui, dans le cadre d'une visite officielle, centrée sur les voies et moyens susceptibles d'élargir et d'approfondir encore davantage notre coopération sur la base de l'amitié et du respect mutuel. L'on ne peut, en visitant votre belle ville, chargée d'histoire, pétrie de culture et bouillonnante de vie, que mesurer l'ampleur de l'effort entrepris pour la construire, la rendre encore plus accueillante et consolider sa renommée. Ce n'est donc pas étonnant qu'elle se soit rapidement et dignement affirmée comme une ville cosmopolite prospère, un siège régional des plus grandes institutions internationales et un symbole de la convivialité. Les basiliques et les églises qui côtoient les mosquées et la riche diversité culturelle du pays attestent de l'attachement des Ivoiriens aux valeurs morales et spirituelles, à la liberté et aux vertus de la tolérance et de la modération, de même qu'à l'importance de la dimension sacrée de la vie humaine. Alors que nous cherchons à appliquer la décentralisation au Liban, il est intéressant de réaliser le degré de décentralisation et de déconcentration que vous avez réussi à appliquer dans votre grand et si beau pays. Et si nos deux pays sont fermement engagés sur la voie de la coopération politique, économique et culturelle, la coopération entre nos villes respectives devrait pouvoir être également encouragée sur le plan bilatéral, de même que dans le cadre de l'Association internationale des maires francophones et le jumelage entre Beyrouth et Abidjan. Je pense tout particulièrement aux échanges d'expertise et la coopération en matière de tourisme, d'environnement, de conservation du patrimoine, d'agriculture, d'aménagement du territoire, d'éducation et de santé, conscient de tous les défis qui restent à relever. Votre credo, semer l'amour là où il y a la haine, le pardon là où il y a l'offense, l'union là où il y a la discorde, la vérité là où il y a l'erreur, est un indicatif de l'esprit qui vous anime dans la recherche du progrès, du bien-être social et spirituel, de la réconciliation et de la paix. Nous nous tenons solidairement et fraternellement à vos côtés pour la réalisation de ces grands idéaux. L'importante et ancienne communauté libanaise de Côte d'Ivoire, intégrée et attachée à ce beau pays accueillant depuis de si longues décennies, est fortement présente à Abidjan dans tous les domaines d'activité économique et sociale, reste appelée à jouer un rôle essentiel dans cette dynamique de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples. Fort de cette amitié et des liens séculaires qui nous unissent, il me plaît de vous redire, Monsieur le Gouverneur, tous mes remerciements et mes vœux pour m'avoir fait partager cette tradition séculaire et mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de votre noble tâche au service des citoyens et du bien commun. Vive la Côte d'Ivoire, vive Abidjan, vive le Liban.